Good morgen, allez, Iden, mais sur aujourd'hui, le Lunishvat Raester, Bat Miriam, c'est que le Fouat, Olivier, Sred, Shimon, Ben Raester, Hamchat Miriam, Bat Ozana, Binyamin, Ben Chibiba, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions, Serhat Eruvin, Perektet, Mishnah Bet, Gag, Gadol, Samour, la Katan. Agadol, Moutar, la Katan, Asour, Chatser, Gdola, Shinifretza, Lektana, Gdola, Mouteret, Vaktana, Asura, Nipenei, Shehi, Kepitra, Shel Gedola. Deuxième sujet, Chatser, Shinifretza, Lirshut, Arabim, Amachnis, Mitocha, Lirshut, Ayachid, ou Mirshut, Ayachid, Letocha, Chayav, Divré, Rabbi, Lezer, Vachavim, Mourim, Mitocha, Lirshut, Arabim, ou Mirshut, Arabim, Letocha, Patour, Nipenei, Shehi, Kekarmelit. Deux sujets dans notre Mishnah, deux sujets distincts. Dommage que cette fois-ci, ils ont tout fait rentrer dans la même Mishnah, ça va faire un cours un petit peu long, mais on va expliquer, c'est pas tellement compliqué. On parle d'abord, dans les deux premiers cas de la Mishnah, c'est exactement la même chose, le même principe, sauf qu'une fois on va parler de toi, et une fois de toi, de Réhouven et toi de Shimon, le toi de Shimon, et l'autre, après on va parler de la cour de Réhouven avec la cour de Shimon, mais c'est exactement la même notion, la même idée. Soit on parle de Gag Gadol, Samour la Katan. Il y avait deux toits, ou ça peut être deux cours. Techniquement, je préférerais parler du Khatser parce que ça va vous embrouiller le fait qu'on parle d'un toit. Je sais pas. Je préfère parler, je passe. Regardez, il y a Gag Gadol, Samour la Katan, Agadol Moutar avec Katan Asour. Je traduis d'abord. Un toit, un grand toit à proximité d'un petit toit. Le grand, on a le droit de porter dedans. Et le Katan, le petit, on n'a pas le droit de porter. On va expliquer après de quoi on parle. Et je passe au deuxième cas qui m'intéresse plus, qui est plus facile à exprimer. Khatser Gdola, Shinifretza Lektana. Une grande cour qui a eu un côté qui a été nifratz, le mur qui est tombé. Une pirza, c'est qu'il a été cambriolé en hébreu moderne. Nifratz, c'est que le mur est tombé. Sur une petite cour, Gdola Mouteret, la grande, elle est permise. Vaktana Asura, la petite, elle est interdite. Mipene Sheik et Pitra Shel Gdola. Parce que la petite, elle est considérée comme l'entrée de la grande. On va expliquer après plus en détail. Pour le moment, je me concentre. À définir. On a deux cours. Ici la maison de Réhouven, je ne l'ai pas dessinée, mais elle est là. C'est la maison de Shimon. Vous vous rappelez d'abord d'une halakha très simple. Si c'était une Mishnah, il y a deux pratiques différentes, je crois. Si on a deux cours, on va apprendre qu'il y a, par exemple, deux cours qui sont mitoyennes, les habitants de droite et les habitants de gauche, les habitants de droite et de gauche, et ils sont chacun mitoyens, chacun fait son hérouf tout seul. S'il y a une porte ouverte entre les deux, alors là, ils ont libre choix de choisir. Soit ils font chacun un rouve indépendant, et eux, ils portent tout seuls, et eux, ils portent tout seuls. Soit ils peuvent aussi décider, puisqu'ils ont une porte entre eux, ils peuvent décider de faire un très grand rouve entre eux. Il y a une troisième situation où il y a le mur qui les séparé, il est tombé. Dans ce cas-là, malgré eux, ils deviennent une grande cour. Et puisque dans ce cas-là, vous devenez tous une grande cour, vous êtes obligés de faire tous un rouve ensemble. Le principe de notre Mishnah, maintenant, il va être très original. Il va être qu'il va y avoir deux cours mitoyennes, où, d'un point de vue de l'un, on peut la considérer comme indépendante de l'autre. Mais du point de vue de l'autre, elle est forcément dépendante de l'autre, de la première. Comment se présente le cas? C'est simple. Regardez, il y a deux cours, la cour de Réhouven et la cour de Shimon. Elles sont là, d'accord? Il y a plus. D'accord? Il faudrait faire un rouve entre eux. Ce qui se passe, c'est que le mur, là, il n'y a plus de mur. Le mur, il est tombé entre eux, par exemple. Réhouven, lui, quand il voit Shimon, il voit des restes de mur, ici et ici. On parle d'une ouverture aussi qui a été inférieure à 10 tefar, à 10 amas, inférieure à 10 amas, d'accord? Moins de 5 mètres d'ouverture. Quand Réhouven, il voit son ami Shimon, il lui le voit comme le voisin. Pourquoi? Parce qu'il voit un bout de mur ici, et il voit un bout de mur ici, et donc je vois un mur, et je vois au milieu un trou, ben, je comprends que le trou c'est une ouverture, il n'y a pas 10 amas entre les deux, murs. Donc moi de mon côté, là, je vois qu'il y a ici, Shimon c'est une personne extérieure à moi, c'est pas moi, c'est pas la même cour que moi. Mais lorsque Shimon il se met dans la cour, dans sa cour, lui, qui veut regarder, qui regarde sur Réhouven, lui il voit aucun reste de mur. Même mieux que ça, j'ai déjà rangé mes feutres dommage. Il y a même, pour des raisons spéciales, Agmal parle même qu'il y a même parfois, il y aura la même situation où le mur, il dépasse un petit peu comme ça. Shimon, lui, il voit qu'il est entièrement avec chez Réhouven, lui. Il a plus de mur qui le sépare. Alors que Réhouven, quand il le voit, hein, il voit, lui, qu'il a des murs. Alachiquement, c'est un casse-tête chinois. Là, il y a une grande gma super compliquée dans la gma. Ça part, on se met à se promener dans toutes sortes de sujets de halakha par rapport à kilaïm de planter des espèces interdites l'une à côté de l'autre.
Ouais, d'une vigne avec du blé, on va parler des ilhot de Shalir Tzibour. Comment définir? Est-ce qu'on peut mettre 9 personnes qui sont dans une pièce et 8 personnes qui sont dans l'autre? L'Agma, elle rallonge énormément sur ça, sur le même sujet. C'est une situation très très originale qui demande beaucoup de l'homdes pour bien la définir. D'un côté, moi, je considère que toi, tu es chez moi. Mais toi, tu considères que je suis distinct de toi. Ouais, vous voyez un petit peu la complexité dans comment on peut facilement se promener dans toute la Torah et considérer maintenant, est-ce qu'on considère qu'on est dans la même pièce ou qu'on n'est pas dans la même pièce? Par rapport à moi, toi, tu es chez moi, mais par rapport à toi, moi, je suis pas chez toi. Ouais, c'est exactement ce qui se passe. Reuven, il voit Shimon comme une personne extérieure. Shimon, il le voit qu'il est dans la même cour que Reuven, il a une cour mitoyenne. Du coup, Reuven, s'il veut pas faire de roue avec Shimon, Reuven, il pourra porter chez lui. Mais Shimon, il pourra plus porter chez lui. C'est ce que la Mishnah enseigne. Grossièrement, avec une petite nuance en rapport à la Mishnah précédente. Je préfère pas. Allez, je vous l'ai dit, je suis obligé de le dire. Mais il faut rester fidèle pour le moment. Donc je vais le dire. À part ça, il y a un problème technique. Vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait appris que Rabbi Shimon, et la halakha est établie comme Rabbi Shimon, en fait, je vais vous le dire aussi, c'est que d'une portée d'une cour à l'autre, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai pour les objets qui sont dans la même cour. Les objets qui sont dans la cour, Shimon, de toute façon, pourra les porter chez Reuven. Mais les objets qui sont dans la maison de Shimon, que Shimon veut faire sortir chez lui, il ne pourra même pas les faire sortir chez lui. C'est ça qu'on parle. Et les objets qui sont dans la maison de Reuven, Reuven, oui, pourra les faire sortir dans sa cour, mais il ne pourra plus ensuite les faire passer chez Shimon, parce qu'il n'aura pas fait de hérouve avec lui. D'accord? C'était technique. Du coup, maintenant, je peux même aussi maintenant plus facilement vous parler du toit. Le toit, c'est vrai qu'on avait appris dans la Mishnah précédente où les toits sont considérés comme un seul grand rishout. Son Rabbi Meir, son Rabbi Shimon, elle a l'air rétablie comme Rabbi Shimon. Mais malgré tout, les objets qui sont chez celui qui habite sous le toit, il a le droit, en théorie, de les faire monter sur son toit du dessus. Et c'est là le sujet. Si. Alors, si. Alors, imaginez maintenant qu'on n'est plus dans des cours, mais on est dans des toits. En fait, Shimon, il habite en dessous. Il a un petit escalier qui lui permet de monter chez lui. Et Reuven, il habite en dessous aussi, il a un petit escalier qui lui permet de monter sur le toit. Shimon, il veut prendre les objets de chez lui et les faire monter sur le toit. On va lui dire, non, tu ne peux pas les faire monter. Parce que tu vas les faire passer cette fois-ci de ta maison privée à un domaine qui appartient à Reuven et Shimon en même temps. D'accord? Donc maintenant tu les passes. C'est comme si tu veux les faire sortir de chez toi à ta cour. Si tu n'as pas fait de hérouve dans ta cour, tu dois faire un hérouve avec Réhouven pour pouvoir porter les objets de chez toi sur le toit mitoyen. À Shimon, on va lui dire ça. Tandis que Réhouven, il pourra les faire sortir de chez de sa maison, les faire monter sur l'escalier, les utiliser dans sa cour. Pourquoi? Parce que Shimon ne le dérange pas. Shimon, c'est un voisin. La preuve en est, il y a un mur qui le sépare. Réhouven, il voit le mur. Shimon, il ne voit pas le mur. D'accord? Allez, on fait tout ça dans les mots. Gag, Gadol, Samour, la katane. Un grand toit qui est mitoyen avec, Samour à proximité, mitoyen avec un petit toit. Donc chacun il habite en dessous, et maintenant la question elle est-ce qu'ils peuvent prendre, il y a un escalier que j'ai pas dessiné, mais qui veut faire monter Shimon sur son toit et les objets de Reuven monter sur son toit. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Agadol, moutard, le grand, il a le droit. Mais Akatan, Asour, le petit, il n'a pas le droit. Pourquoi? De nouveau? Parce que le grand toit, il est distingué, il est distinct, il est séparé par un mur de Shimon, tandis que Shimon il n'est pas séparé par le mur de Reuven, parce que Shimon il voit pas le mur. Idem si avec Hatser, Gdola, Shenifretsa, Lektana, une grande cour où le mur qui les séparait, il est tombé. Il est tombé avant Shabbat. J'expliquerai après peut-être pourquoi aussi, c'est rapporté dans le Bar Tanora, donc je suis fidèle. Je le dis, j'expliquerai ensuite. La grande cour, le mur il est tombé avant Shabbat, il est tombé. Et donc Nifretsa, Lektana, c'est. Le mur il s'est effondré, et puis maintenant on peut rentrer directement. Gdola Mouteret, la grande cour, on a le droit de porter dedans. C'est-à-dire les objets de la maison de Reuven, il pourrait le faire sortir dans sa cour. Mais, Vaktana Asura, mais la petite, elle n'aura pas le droit. Pourquoi? Parce que là, c'est là la définition lamdanite délicate. Mi Pene Shehik et Pitra Shel Gdola. Parce que cette petite cour, elle devient comme comment dire, le portail, l'ouverture de la grande. À savoir, plus précisément, Réhouven, moi, quand je regarde, moi je suis chez moi et je regarde mon portail qui est très large. Ouais, imaginez que j'ai un portail, un porche très large comme ça, avec une épaisseur de mur très grande. Le porche, je peux devenir qu'il est dans un mur externe parce que je le vois comme un mur externe. Mais celui qui est à l'intérieur du porche, du portail, et qui me regarde, lui, il voit qu'il est chez moi, lui, parce que lui, il n'est pas distingué. C'est la définition que la Mishnah dit, mais Pinéché qui est Pitra Shadola. Elle est comme l'ouverture de la grande. D'accord? La petite cour, elle est considérée en fait comme si, que, imaginez qu'en fait il n'y avait pas ici le mur de Shimon, mais c'était considéré comme ça comme une grande ouverture. C'est considéré comme l'épaisseur de son mur. Donc l'épaisseur de mon mur,
À ma guise, je peux le considérer soit comme partie intégrante de chez moi, soit dire non, il ne m'intéresse pas plutôt. Il est distingué puisque moi je vois le mur qui me sépare. D'accord? C'est les mots rapportés dans la Mishnah. Je vous ai dit que j'avais une chose à vous dire que j'ai déjà oublié. C'est quoi l'histoire avec. Bah, j'ai oublié. Chatser Gdola, chez Nifratzalektana, on avait parlé donc d'une grande cour qui est pour ça. Je vous avais dit. Ça m'échappe. Il y avait Avalkatana sur nous aussi, Kabait. Bon ben, ça me revient pas pour le moment. Avaktana Sora. Ah oui, ça y est, je l'ai souligné. Chez Nifretza, on parle uniquement que ça a été, on parle que le mur est tombé avant Shabbat. Parce que si le mur est tombé pendant Shabbat, alors là, Shimon aura le droit de porter, et Réhouven aura le droit de porter, c'est une halakha qu'on avait appris plus haut, que si à l'entrée du Shabbat, il y a un domaine qui est kasher à porter, il est apte, je peux porter pour X ou Y raison, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit permis. Si il y a quelques conditions ensuite qui vont s'annuler pendant Shabbat, en l'occurrence, on avait mis un Hérouv, le Hérouv il a été mangé, mais pendant Shabbat. Ou en l'occurrence aussi, il y avait un mur qui nous séparait et le mur il est tombé. Alors, puisque avant Shabbat on avait le droit de porter, à l'entrée de Shabbat on avait le droit de porter, même si la permission elle est tombée pendant Shabbat, elle s'est annulée pendant Shabbat, on pourra continuer à porter pendant tout le Shabbat. Pas toujours, mais il y a certaines exceptions à la règle. D'accord? C'était une marloquette, on avait vu qu'il y avait une marloquette Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda sur ça. Et l'halakha, elle est fixée comme celui qui nous dit que puisque ça a été permis à l'entrée du Shabbat, tu restes avec cette permission pendant tout le Shabbat. On a fini le premier sujet de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant. On va parler d'un tout autre sujet, il n'y a plus aucun rapport. On n'est plus avec l'histoire de Reuven et Shimon. D'ailleurs, on efface maintenant toute la cour de Reuven. Il ne reste que la cour de Shimon, avec ici c'est la voie publique. Et il y avait un mur, et maintenant on va parler de quoi? On va parler de Chatzer Sheni Fretza Lirshut Rabim. Mais Shimon, il avait sa cour qui donnait sur la voie publique. Il avait un mur qui le séparait à l'entrée du Shabbat. Peu importe, avant Shabbat, pendant Shabbat, là ça ne change plus le problème, parce qu'on est dans les sourds d'oreilles. Donc il avait une vraie cour, et ce qui s'est passé, c'est que le mur entièrement, il est tombé. Il s'avère que maintenant, Shimon n'est plus séparé du Rishout Arabim. Soit, Shimon il avait initialement le droit de porter chez lui, c'était sa cour, c'était domaine privé, et là c'était la voie publique. Il s'avère que maintenant, il n'a plus aucune séparation avec la voie publique. Et sur ça, on a deux avis dans la Mishnah. L'avis de Rabbi Eliezer et l'avis de Chachamim. D'abord, avant de le lire dans les mots, parce que dans les mots il y a une certaine difficulté, je vous pose d'abord la marloquette entre les deux. Rabbi Shimon, selon Rabbi Eliezer, tel que ça va être écrit dans la Mishnah, il considère que maintenant la cour, apparemment, la cour elle est devenue un Rishut Arabim. Puisqu'elle est plus séparée par le Rishut Arabim. Les gens qui marchent ici dans le Rishut Arabim, des fois il y a trop de monde, il y a des problèmes et des embûches, ils rentrent facilement dans la cour de Shimon. Il s'avère que maintenant, la cour de Shimon elle est devenue elle aussi le Rishut Arabim. Si le mur est tombé. Pour la chôte de Shabbat, il est considéré pour le moment comme un Rishut Arabim, tel que c'est écrit. Après, on va préciser que ce n'est pas exactement ça. Et Chachamim va nous dire non, c'est pas un Rishut Arabim. C'est vrai que c'est plus un Rishut Ayechid on a le droit de porter normalement, c'est devenu un Carmélite, tel que c'est écrit dans la Mishnah. Et en fait, le Tosot Yom Tov rapporte la conclusion de la Gemara. En réalité, on ne parle pas que c'est toute la cour de Shimon, mais on parle que c'est que l'épaisseur du mur elle-même. D'accord? La cour de Shimon, elle était Rishut Ayechid, elle restera Rishut Ayechid. L'épaisseur du mur, ça peut des fois être un mur assez épais, qui est tombé, et toute cette épaisseur du mur, selon Rabbi Eliezer, c'est considéré comme des Tzidei Rishut Arabim, qui est Rishut Arabim d'ami. Les côtés, les bas-côtés du Rishut Arabim ont un statut de Rishut Arabim, même si on les utilise moins, les gens marchent moins ici que au milieu, que sur la vraie voie publique. Malgré tout, de temps en temps, il y a trop de monde, on a besoin de poser des choses, on a besoin de calculer quelque chose, ou peu importe, on se met sur le bas-côté. Donc le bas-côté, il est défini comme aussi un Rishut Arabim, puisqu'il est utilisé par les passants du Rishut Arabim. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Il est considéré comme un Rishut Arabim. Et Chachamim, ils vont nous dire, non, les bas-côtés, puisqu'ils ne sont pas utilisés aisément par les passants du Rishut Arabim, ils n'ont pas un statut de Rishut Arabim, ils ont un statut de Rishut, de carmélite, de domaine intermédiaire, où il ne faut pas porter, mais on ne transgresse plus l'interdit de la Torah. Voilà la marloquette qu'on va découvrir tout de suite. Maintenant, la Mishnah elle va expliquer ça de manière un peu plus complexe. Parce en fait, il faut bien réaliser. Rabbi Eliezer, pour nous exprimer que c'est devenu ici le Rishut Arabim, il va nous dire que celui qui va porter de cet endroit-là, de cette cour, qui en fait l'épaisseur du mur, à un autre Rishut Ayachid, il va transgresser l'interdit de porter du Rishut Arabim au Shachrid. C'est-à-dire, puisque l'épaisseur du mur, elle est devenue le Rishut Arabim, celui qui va porter de cet endroit-là, je parle de l'épaisseur du mur, donc c'est écrit tel que c'est écrit dans la Mishnah, on ne parle pas de l'épaisseur du mur, on parle tout de la cour. Abelézard nous dit,
Puisque la cour, elle est devenue elle-même Roshut Arabim, celui qui va porter de la cour à la maison, il va porter du Roshut Arabim au Roshut Ayachid. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui nous le dit. En fait, il faut, selon la conclusion de la Gemara, il faut réduire ça à l'épaisseur du mur qui était là, qui a disparu, que celui qui va porter de cet endroit-là à un vrai Roshut Ayachid, d'accord? Peu importe, il a une porte par exemple ici, eh bien, il va transgresser l'interdit de porter. D'accord? On fait ça dans les mots maintenant. Chatser shenifretza lirshut Arabim. Une cour qui a été nifretza. Le mur, il a été tombé, il est tombé au Roshut Arabim. Donc, il est plus séparé par le Roshut Arabim. Amarnis metocha lirshut Ayachid. Celui qui va faire entrer depuis cette cour, depuis l'épaisseur du mur, comme ce qu'il faut rectifier ensuite, lirshut Ayachid, un autre Roshut Ayachid qui est complètement fermé, ou encore, au Roshut Ayachid de la Torah, celui qui va prendre, qui est dans le domaine privé, il va l'amener à cet endroit-là où il y avait le mur, d'accord? Ou dans la cour, d'accord? Eh bien, Chayav, il sera Chayav, il transgressa l'interdit de porter à Shabbat, parce qu'il a porté, parce que maintenant, cet endroit-là, il est devenu comme un Roshut Arabim. Divrei Rabbi Eliezer, tel est l'avis de Rabbi Eliezer, Vachachem et Mourim, tandis que Rabbi nous disent, non! Mitocha l'Irshut Arabim, Om Irshut Arabim, Letocha, celui qui va porter du Roshut Arabim à elle, ou de elle au Roshut Arabim, où il en va de soi aussi du Roshut de El jusqu'à dans un autre Roshut Ayachid, dans tous ces cas de figure, Patour, il sera dispensé, il n'y aura pas de Triouf Korban, parce qu'il ne transgresse pas l'interdit de porter Minatora, que Midrabanan, Mipenesh et Carmélite, parce que cet endroit-là est défini comme un Carmélite. Carmélite, c'est le fameux domaine intermédiaire, qui n'est pas exactement. Il n'a pas. Il n'est plus un vrai Roshut Ayachid, mais il n'est pas non plus arrivé à être un Roshut Arabim, c'est un domaine intermédiaire. Alachiquement, il est considéré comme un Makom Patour, en théorie. Mais Khachami, on fait plein de décrets sur lui, de le considérer à la fois comme un Roshut Arabim et comme un Roshut Ayachid, pour ne transgresser pas l'interdit de la Torah, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Tuv, Selah.